mais ça date de l'an 14, le déferrage, c'est parce que... Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui... On n'était pas assez observateurs, on n'était pas... Voilà, quoi, faut avoir des couilles pour faire ça. Maintenant, Bruno Mari a relancé la mode. Bah, tant mieux pour lui, il en a profité. Je crois que cette année-là, il a dû gagner 190, où il a été numéro un des entraîneurs. Donc, tout à son honneur. Mais Bruno, si je me trompe pas, il défère beaucoup moins qu'avant. Il vous a envoyé sur une fausse piste alors? Je crois qu'il est plus malin que tout le monde. La montée en avant. Là, par contre, toi, comme beaucoup, c'est pas venu tout de suite. Ah, c'est pas venu tout de suite. Moi, j'ai été le dernier couillon de ma génération à me mettre en avant. J'ai dû entendre tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, c'était... On l'a traité de crapaud, Eric. Je veux dire... Il... Bon, encore maintenant, hein. Ouais. Encore maintenant, de temps en temps... Comme tu disais tout à l'heure, t'as eu les épaules solides, mais lui aussi, parce que il y a quand même quelques grands entraîneurs qui sont venus le moquer. Ah tu... ouais, parce que, mais maintenant, faut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, quoi, parce qu'on voit le résultat, Eric, il est... numéro 1 ou numéro 2 des jockeys. Philippe, à cette époque-là, il gagnait 80-90 courses par an. Alors à partir du moment où on gagne les courses, on est critiqué. Faut ouvrir les yeux, quoi. Alors, ne pas être orgueilleux, est-ce que c'est l'une des clés de la réussite de votre métier? Il faut peut-être en avoir un peu, mais pas trop. L'avenir de Pierre-Yves Verva et des courses sont liés? Bah, je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Comment tu le vois, cet avenir? Bah, on va essayer de mettre les choses en valeur, les courses. Et mon avenir, je le vois bien. L'avenir des courses, ça sera peut-être un peu plus dur. Ça va, Marine? C'est la petite copine d'Erwan. On va tout savoir, c'est Secret Story. Je pense qu'on est arrivé au summum des allocations qui pouvaient nous être versées. De toute façon, ça peut pas être. On peut pas être au soleil tout le temps. Maintenant, comment il faut pallier, je sais pas, il va falloir. Il va falloir trouver des astuces. On va quitter la France. J'ai l'impression que par rapport aux professionnels, c'est vraiment une question super tabou. L'avenir des cours, c'est... Non, c'est pas tabou. C'est. Ben moi, je suis en train de vivre quelque chose de formidable, quoi. Je viens de m'installer. Et là, tu me casses les couilles en disant demain il va plus y avoir de course. Alors arrête, à quoi ça sert? Bah, mes deux camions, je les revends et puis voilà, quoi. Non, j'ai pas envie de penser à ça. J'ai envie que la machine marche encore un sacré moment et j'espère qu'on va y pallier. Jean-Pierre Dubois, vous êtes aujourd'hui une nouvelle fois associé. La pression creuse, donc de sa dernière sortie. Et les clients m'ont dit peut-être pas aller devant aujourd'hui, mais bon, après c'est le driver qui décide et puis voilà, c'est lui qui sent le truc. Oui, puis on peut aller devant et gagner facilement sans faire une course dure, la preuve aujourd'hui. Exactement, vaut mieux faire comme ça qu'être enfermé, prendre un coup, c'est un crack, donc il faut faire attention quand même. Quand même, prends la confiance. Ça fait comme un dimanche, toi. C'est un Thaïlandais. Tu déroules du film un peu, là? Ladyboy. Ça tourne, là, messieurs. Ah merde, d'habitude, il déroule du câble. On dit un peu moins de conneries que d'habitude. Bonjour. Excuse-moi. Quoi ?
Parce que là, putain, on a pas couru. Louis, dans le programme, il y a le prix d'Amérique ou pas? Ah, pour l'instant, je suis au mois de novembre. Et en plus, pour finir, il vient de mettre un petit nez à Athos. C'est un double motif de satisfaction parce qu'il a tenu la dragée haute jusqu'au bout. Bah voilà, puis Joël avait gardé sa cravache aujourd'hui, donc c'est bien, pas d'excuses. Bah, je lui réponds que non, j'ai pas oublié le garde-dormant, mais je m'en suis même pas servi, donc voilà, que j'en ai ou que j'en ai pas. La prochaine fois, tu le jettes dans le dernier tournant. Ouais, mais je crois que même ils sont en train d'installer un truc, une stèle, où ils vont me la mettre, la cravache là-bas. En montant, tu te frises les moustaches, tu reprends tout, 16, 17, enfin c'est de la rigolade, c'est une course rêvée quoi. Exactement, non, c'est des très bonnes courses pour le moral du cheval. Il est venu à Vincennes, je pense qu'il travaille plus dur. Et juste pour en revenir un petit peu à ce tandem avec Sébastien Garato, c'est impressionnant les résultats en ce moment, vous écœurez tout le monde là. Bah, c'est vrai qu'on a de la chance, on a des super chevaux, faut savourer parce que la roue tourne, mais en ce moment, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il est chez vous depuis le départ celui-là? Depuis mars je crois à peu près, il a débuté chez eux. Ah ouais, chez eux là. Ouais. Il est venu après mais bon, on a du mal. Hein. Soit il a galopé, soit un coup il a été second, sinon il a gagné monté. Il a gagné en gain. En débutant c'était ça, monté non? J'ai gagné en gain, j'ai gagné ici mais à la plage il gaz mais c'est une question de réglage. Ouais, il est plus fiable monté qu'à pied. Bah ouais, parce que monter, voilà, c'est plus facile de le tenir en ronde. Tu le fais sûrement en plus, là, t'as la mesure de faire une ligne droite, non? Ah, j'ai la mesure, je pense, toute la ligne droite, mais bon. L'autre par cœur, il est dur, il était capable de repartir avec moi. Hein. Ouais, ouais. Puis tu, comme tu dis, il pourrait te baiser encore. Ouais, ouais. Ah, il a une grande place. Quand on sera réglé correctement, ça sera parfait. Plus urgent, il saute pas les gars en plus, donc c'est... Je sais pas, il y a le plus urgent ou il y a carrément l'autre semi-classique. Ah oui, ouais, du coup, maintenant, ça change. Faut voir parce que c'est plus urgent, on se tape les ombres à... Boston Ferry là, ouais. On se tape les ombres à Garato qui nous ont battus donc... Ah oui, Brut de la Côte et Baron du Boutier, donc, ouais. Des fois c'est pas plus dur, faut voir. Et après, très grand sec. Lota Bird, lui. Pas le vrai cheval monté, il n'a pas été très bon, je ne l'ai pas trouvé bon, il a relevé. Puis Yohan ne veut pas lui mettre de débouche-oreille, malheureusement, il est très froid, alors il préfère lui taper dessus plutôt que de tirer dessus avec un débouche-oreille, c'est une erreur tactique à mon avis. Déçu pour Bumba parce que c'est de l'argent, voilà, c'est à portée de main, quoi. Il a fait le plus dur, Mathieu, c'est... il a sur une main, la jument, elle n'est pas facile, il reste 200 mètres à faire, voilà, il ne faut plus bouger, et puis ouais, c'est comme ça, ce sont les courses. C'est comme ça, c'est pas un métier facile. Le cheval est bien. Il a plu à Pierrot, il m'a dit qu'il est un petit peu surhumain, mais Pierrot, il faut bien qu'il dise quelque chose. Il faut qu'il justifie son salaire de driver. Donc il a trouvé un tout petit peu surhumain, il faut bien que je charrie un peu. Mais le cheval lui a plu, il a bien fini, le cheval est bien. Non, non, le cheval se prépare bien. Voilà. Nico Achaud, une explication sur la contre-performance. Nico Achaud, une explication sur la contre-performance. Alex Bilibili, test concluant pour ce semi-classique. Ah oui. On veut un autre quoi. Ça va, t'es pas obligé avec. Tu sais, tu lui fais à la ville de la Tourette un moment. Enculé. Il est malade. Leur proche que j'entends les gens me disent ouais tu vois là-bas c'est un fou, il travaille, il gratte, c'est pas ça, c'est que bah oui j'ai appris, que je me suis aperçu pour faire des jeunes chevaux faut pas sauter de boulot, c'est en quoi tu fais pas de poulain si demain t'as pas travaillé pendant deux jours et puis que tu vas les reprendre, je trouve ça, c'est des athlètes donc pour moi il faut un deux ans il doit pas sauter un boulot, c'est tout, c'est comme un gamin à l'école, s'il va apprendre à lire c'est pas en lisant une fois tous les 15 jours, hein. Faut qu'il lit tous les jours, donc bah les chevaux, les poulains faut pas que ça dure longtemps mais tout le temps, voilà, moi c'est mon truc.
On a fait différents entraîneurs. Fabrice Soulois, par exemple, il passe presque sa matinée. Il alterne entre le sulky et le tracteur. Toi aussi, tu t'attaches une importance particulière à ta piste. Ouais. Je laisse pas. Bah, pas comme Fabrice, parce que Fabrice, je suis allé chez lui. Il a beaucoup de personnel. Donc attention, on n'est pas dans la même structure non plus. Et étant très très bien installé, j'étais super bien accueilli chez lui. Mais c'est vrai que je me rappelle que t'as chaque lot, dès qu'on avait fini, il avait fini à l'eau, tant que ces gars ils ramènent un lot de chevaux avec le cheval à lui qui trotte, et ben lui pendant ce temps-là il avait déjà fait un aller-retour sur la piste et je trouve ça génial. Donc moi non, je veux pas le cacher, et je le fais tous les 3-4 lots. Il suffit que je sors un bon cheval en quatrième et là je refais la piste, ça c'est sûr. Voilà, il nous manque une femme pour ranger, hein, fais pas gaffe au bordel. Christopher, pars pas comme ça. C'est quoi ce sulky là-haut? Celui-là, ça fait 2 ans qu'il est là-haut, j'ai voulu le ressortir cet été et il a couru 2 fois d'ail, donc là il est condamné à rester là. La fin dernière, j'ai mis une bonne pouliche dedans, je pensais qu'elle était bonne, mais enfin, je pensais que peut-être qu'elle est pas bonne. Elle, 2 fois distancée, bon, j'ai dit je mets plus là-dedans. Et quand tu changes de sulky, elle fait une perf ou pas? Pour l'instant, j'ai pas changé, mais je vais pas la prochaine fois, je vais la mener moi-même déjà une fois, et puis je mettrai pas sulky là non plus. Donc voilà, c'est dommage. Mais... Christopher, t'es le seul entraîneur que je connaisse qui a un autostar qui est à côté du cheval. Non, mais ça c'est quand je veux passer vite, il klaxonne. Elle était belle. On l'a pas eu, on n'a même pas apprécié. Parce que tous les ans, on change de caravane, mais celle-là, elle était trop belle pour qu'on la garde. À mon avis, c'est ça. Ça, c'est comme les femmes, ça. Tant pis. Après les ordinaires, dès que ça marche engagement, aide à la décision, ils en ont 10, je cours les jambes, je les 10. Hein. Et si je peux courir les 10, je courrai les 10. Bah, les moyens, il vaut mieux les courir que de les entraîner. Hein. C'est bien le client, ce qu'il veut, s'en fout que tu l'as gratté. Hein. Ce qu'il veut, c'est l'argent. Hein. Donc, moi, j'en connais pas qui caressent leurs chevaux quand ils n'ont pas passé le poteau. Hein. Donc, c'est fini ce temps-là. Donc, non. Donc, ma politique, elle est comme ça. Sur les bons, bah, je fais un programme. Les relations entraîneur-propriétaire, c'est pas toujours facile. Il faut être commerçant. Hein. La chance que j'ai, c'est que je pense que je suis assez fort là-dessus. Hein? Comme elle disait ma mère, tu vendrais une poule à la place d'un canard, mais je pense que je sais dire les mots exacts. Moi, Sébastien, je suis copain avec lui, on a discuté il n'y a pas longtemps ensemble, et comme il va me dire, lui, il est bon, aujourd'hui, on lui les amène, moi, je les fabrique, donc je suis un artisan, moi. Hein? Mais bon, il me manque un peu le côté, comme j'ai dit déjà il y a une paire d'années, il nous manque le côté un peu origine. Nous, on travaille avec du béaba, hein? Le voisin qui a mis un trotteur au monde, ben bravo. Tiens, Nicole, prends-le. Mais bon, quand tu regardes de quoi tu pars, c'est un peu l'exception quand on en sort un bon, parce que ben, à la base, il n'a pas l'origine pour. Voilà, il est fabriqué. Demain, on m'amène que de la cam, je pense que je ferai pas mal. Je suis bien équipé pour travailler. J'ai la chance de me lever tous les matins, donc je pense que j'y arriverai quand même. Ouais, l'argent pour les clients, maintenant, ça commence à partir à la dérive. Hein. Faut pas oublier que les clients, de moins en moins. Hein. De moins en moins. Hein. Moi, j'ai gardé autant de chevaux, mais sur tous les chevaux, j'ai une part. C'est un passage obligatoire pour toi, Si j'ai pas ça, je suis mort. Quartz de Calande, c'est une histoire parce qu'on a mis du temps, il était débourré, puis malheureusement, il nous tapait dans la gueule longtemps, donc on l'a pris sur la route. Puis du jour au lendemain, il a voulu aller sur la piste, et là, je me suis dit, merde, il a l'air de trotter. Est-ce que tu rêves toujours avec les chevaux? Ouais, parce que si tu rêves pas, fais pas ce métier-là. Hein. Faut pas dire. Je dis toujours, je suis pas un rêveur dans la réalité du chose, mais tu restes rêveur quand même. Tu te fais des plans. Des fois, tu travailles le matin, t'es pas bien la veille. Le matin, t'en travailles rien. Tu rentres, tu bandes. Hein, tu dis merde, ça y est, je vais peut-être avoir de l'espoir avec celui-là. Donc, si tu crois pas à ce que tu fais et puis que tu rêves pas, faut arrêter. Je pense.
Sure.